à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes samedi, je m'écarte pas trop parce que vous devez pas m'entendre grand chose. Nous sommes samedi 29 août et nous sommes actuellement dans le parc Terra Botanica. C'est juste magnifique, hein. Je vous fais un petit tour d'horizon. On est au top, mais vraiment au top. Il y a même des coussins là, si on veut s'allonger. Mais il y a des aires de jeu partout, comme on est dans un parc. Là, vous allez profiter à fond. On va y aller. Donc là, on s'en va faire des fouilles archéologiques. Donc je vais vous montrer ça. On fait les choses dans l'ordre. Et du coup, on va ressortir ce midi pour manger. Donc je ne vais pas vlogger dans le parc. Je vais juste filmer et je vous mettrai tout ça en musique. Mais normalement, ça devrait être vraiment sympa. Donc je vous laisse suivre nos aventures de la journée. Il est presque midi. Alors, je sais pas exactement quelle heure, mais il est presque midi. Ah, merci Elsa. Précisément, il est 11h47. 11h47. Et 52 secondes. Et 52 secondes. Très important. Du coup, là, on retourne à la voiture pour manger. Donc, ce matin, on a déjà fait pas mal de choses. C'était sympa. Trop bien. Bon, c'est juste dommage le temps, en fait, parce qu'il fait vraiment pas chaud. Et en gros, on s'attendait à ce que la température se lève au cours de la journée et en fait il n'y a rien qui se lève. Donc le soleil commence à être bleu là, donc je me dis peut-être qu'on va avoir un peu de chaleur, mais pour l'instant... Le soleil commence à être bleu ? Le ciel, pardon, commence à être bleu. Donc on verra bien si on a un peu de soleil dans la journée ou pas, mais ça sent pas bon. Hein. Donc ben là on va manger dans la voiture du coup pour avoir chaud. Et puis je continuerai à filmer dans la journée. Bon, bah, il est midi 32 et on a fini de manger. Donc, on retourne dans le parc avec le soleil. On est trop contents. En fait, il suffisait qu'on aille manger. Pas trop chaud, pas trop froid. Par contre, là, il commence à faire chaud. Donc, je pars quand même avec ma veste parce que je me dis, au pire, je la mettrai autour de ma taille. Parce que je me dis, si ça se recouvre après, ça serait dommage. Donc, on est reparti. On va aller faire la petite balade avec les noix.
est 20h37, nous venons presque de rentrer, il y a 10 minutes en fait. Tout le monde est passé aux toilettes à la chaîne. En fait, le parc fermait à 19h, on est parti à 19h, donc clairement, on a bien profité, quoi, c'est clair. Du coup, on a ramené Anaïs chez son chéri, puisqu'elle allait chez son chéri ce soir. Et nous, on est rentrés à la maison. Donc là, on va manger. Alors, je pense qu'on va se refaire des sandwichs comme on a fait ce midi, parce qu'à cette heure-là, j'avoue que j'ai pas hyper envie de cuisiner. On va se faire des sandwichs, des chips. Enfin, on va finir en fait ce qui nous reste de ce midi. Et puis, on va se regarder un film. Et ensuite, ça va être dodo pour tout le monde. Demain, on reste à la maison toute la journée. Pernelle. Est-ce que je peux lui donner certains indices parce qu'elle a oui. Ça, bah, puis à la fin, peut-être aussi. Je vois que tu t'apprêtais à. Bah oui, mais il faut lui donner du coup. Oui, c'est pas une friandise qui va la nourrir. C'est juste pour la faire passer deux, donc je mets croquettes. Ce comportement, je n'en peux plus. Mais si vous la voyez. Tu la vois. Vous hallucineriez, je vous jure. Parce qu'elle marche avec le cul sur le côté. Elle marche de travers en fait. Je comprends pas. Maman. La queue en l'air, le cul relevé, le cul de travers. Enfin, c'est n'importe quoi. Maman. Enfin bref, c'est Pernelle. On l'aime comme ça. Donc là, Côme est en train de lui donner à manger. Nous aussi, on va aller manger. On va aller se coucher. Franchement, c'était une super journée. On a vraiment, vraiment passé une très bonne journée. Ah, purée. Oui, ça fait mal. Comme on se cogner dans la poignée de la porte. Mais aussi, le temps n'était pas hyper beau parce qu'on a quand même eu deux ou trois ondées. C'était noté sur la météo qu'il n'y aurait pas de pluie aujourd'hui. Finalement, on a eu quand même trois ondées. Oui, mais c'était quasiment plus de gouttelettes. Hein. Trois ondées. Il y en a où on a quand même été obligé de s'abriter. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, dans l'ensemble, c'était quand même super. La seule chose qu'on regrette, c'est de ne pas avoir fait le voyage en coquille de noix. Coquilles de noix, c'est ça. En fait, ce sont des petits... c'est des coquilles de noix, en fait, des petits fauteuils, on s'assied, on pédale, et puis sur un rail, en fait, on fait le tour du parc pour avoir une vue globale sur... Voilà. Et la première fois qu'on y est allé, alors la montgolfière était fermée, mais de toute façon, en fait, on s'est rendu compte que c'était à payer en plus, en fait, la montgolfière. Ça n'était pas compris dans les prix dans le prix de l'entrée. En fait, c'est 4 euros par personne. Donc, c'est pas hyper cher non plus. Hein. Faut dire ce qu'il y a. C'est vrai que nous, à 6, tout de suite, on en avait pour 25 euros. Mais c'était fermé. De toute façon, vol interdit, c'était marqué. Donc, du coup, on l'a pas pu le faire. Et donc, pour les coquilles de noix, en fait, ils ont fermé le jeu parce que avec la pluie, ça glisse. Et du coup, on pédale dans le vide et les machines n'avancent plus. Donc, dès qu'il a commencé à pleuvoir, ils ont fermé. Donc, on y est allé une première fois avant de manger. Mais il y avait beaucoup trop de monde, on s'est dit bah non, on reviendra plus tard. On y est allé une deuxième fois après manger, il y avait encore plus de monde. Et en fin de journée, on s'est dit bon bah là, il doit plus y avoir personne, sauf que bah, du coup, c'était fermé. Truc, à cause de la pluie. Non, on avait dit. Donc c'était fermé à cause de la pluie. Donc du coup, on est allé faire le colporteur de rêve et franchement, j'ai adoré. C'était super. Ouais. Enfin, c'est juste une histoire un peu scénarisée, enfin, mais franchement, c'était trop bien. La mise en scène et tout, j'ai adoré. Bah, pour un dernier, c'était bien. Et même le truc de Sylvestre et Capucine. Ouais. C'était vachement bien aussi, la... Le labyrinthe. C'était le labyrinthe? Ouais. Ah bah oui, c'était le labyrinthe, oui, c'est vrai. Et franchement, c'était vraiment super chouette. Donc, cette journée, vraiment, très très bonne journée. En plus, le fait d'être avec Anaïs, bon, Anaïs était hyper en forme, mais... Elle est un peu comme moi, hein. En fait, elle a un implant, donc techniquement, elle n'est pas censée avoir ses règles, mais en ce moment, depuis quelques temps, là, elle a ses règles, donc c'est un petit peu douloureux à chaque fois. Donc, ah oui, c'est que ça reste pas longtemps. Non. Bah, sinon, tu vas chercher de la baguette. Qui s'est fermé? Mais non, dans le congélateur. On va la passer au four. Bien. Donc, ouais, Anaïs n'était pas hyper en forme, mais dans l'ensemble, on a quand même passé une bonne journée. On a été s'acheter des churros pour le goûter. Et puis, alors le truc, c'est que les churros, c'était un petit peu ce qui m'a permis de tenir les enfants en haleine toute la journée et de les garder avec un comportement correct. Sauf que dès qu'on a pris le goûter, bah, c'est parti en vrille, en fait. Puisque du coup, il n'y avait plus de carottes, donc je me suis un petit peu fâchée. Dans la voiture, je me suis grandement fâchée en leur disant que bah, puisque c'était comme ça, dès qu'on rentrait, ils allaient se coucher. Sauf que finalement, dès que j'ai dit ça, tout le monde s'est calmé. Je ne les ai pas entendus depuis. Et du coup, quand on est rentré à la maison, moi, dans ma tête, ils allaient se coucher, quoi.
Et Com m'a dit, ah, mais je suis désolée et tout. Et donc j'ai expliqué, je fais, bah non, mais je suis pas d'accord en fait. Parce que je lui dis, quand je vous dis stop, c'est stop. Je lui dis, là, je vous ai dit stop une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, vous avez été puni. Il a fallu que vous soyez puni pour que vous arrêtiez. Je lui dis, sauf que les deux premières fois, vous l'aviez pourtant bien compris, mon message. Et ça n'a rien changé. Je dis, donc s'il faut que je punisse pour que ça fonctionne, et ben vous êtes puni. Et là, il m'a dit, non, mais je te promets, la prochaine fois, on réagira. Donc je les ai prévenus que c'était la dernière fois que je cédais à une punition que j'avais donnée, que la prochaine fois, je leur donnerai pas d'autre chance. Voilà. Donc, on verra bien si ça aura fonctionné ou pas. Mais, en tout cas, ils vont passer la soirée avec nous quand même. Sauf si ça part en vrille. Dans ce cas-là, c'est terminé. Donc là, on va se faire nos petits sandwichs. On va regarder notre petit film. Et puis après, on va aller se coucher. Moi, je vous cache pas hein, qu'il est à peine 21h. Je suis déjà sur les rotules. On a fait plus de 15 000 pas aujourd'hui. J'ai même pas pensé à regarder. J'allais en plus dans le parc, je me disais, je pense à regarder combien on a fait de pas. Mais je vais le mettre sur Insta, hein, pour ceux qui sont sur Insta, vous verrez. Pour ceux qui n'y sont pas, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je partage des petites choses aussi. En fait, tout ce que j'ai en photo, je le partage sur Insta et pas sur YouTube, évidemment. Donc voilà, donc je vais aussi poster toutes les photos que j'ai faites aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon dimanche. Donc je vous souhaite un bon dimanche, on vous fait des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie d'aller à Terra Botanica. Parce que franchement, c'est un parc, mais vraiment au top du top. Nous, on a vraiment adoré, malgré le temps, parce qu'on a quand même eu froid, hein, même si on a eu que 3 Indés, on a vraiment eu froid. Mais ça n'a pas gâché notre plaisir de visiter ce parc. Voilà. On vous fait des gros bisous, bonne journée et à très bientôt. Ciao.